Il est rigolo, hein? C'est parti pour les challenges SoShape. Donc avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour perdre du poids et utiliser des produits beaucoup moins caloriques que la normale. Donc déjà, vous démarrez le matin avec un milkshake. Moi, en général, je prends pas mal de goûts différents, mais le brownie, c'est vrai qu'il est exceptionnel. Après, vous en avez plein d'autres, comme le cappuccino. Il y a plus de 27 références en termes de saveur. Donc vous mélangez ça avec du lait ou de l'eau et vous l'ajoutez à l'intérieur de votre shaker. Pour vous accompagner tout au long de la journée, il y a plein d'autres produits comme des cookies, des petites céréales à l'intérieur ou même des pancakes. Et le soir, vous avez vos produits de riz et de pâtes disponibles. Donc ça, zéro perte de temps. En 3 minutes, vous avez vos petites pâtes de prête. Vous choisissez la saveur, donc truffe là pour l'instant ou arrabbiata. J'ai envie vraiment de me manger des bonnes pastas arrabbiata comme il se doit pour ce soir, me régaler et tout en continuant mon challenge. Je suis en train de me faire un kiff. Oh, trop, trop bon. Les pastas arrabbiata, je valide à 100% ce goût. Il est trop, trop bon, les filles. Ce plat, donc comme je vous disais, vous avez zéro frustration parce qu'en fait, tout au long de votre journée, vous allez pouvoir suivre les produits SoShape. Donc, le matin, vous démarrez avec un milkshake. Si vous avez un creux, vous pouvez ajouter des cookies, des céréales qui sont beaucoup moins caloriques que la normale. Et le midi, vous avez un repas libre. Donc, vous pouvez manger au restaurant, vous pouvez manger ce que vous voulez. Le soir, on se régule avec les pastas ou le riz et vous allez perdre du poids. Donc, comme je vous disais, vous allez... Je suis dans la salle de sport. Regardez comment c'est. Est-ce que vous pensez que j'ai ma place ici? Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai ma place ici? Je me suis mis en tenue de sport, mais je sais pas. Je me chauffe ou je me chauffe pas à faire du sport? En tout cas, on a bien bronzé, les filles. Regardez-moi ça. Bon, allez, c'est parti. Je vais faire un peu de sport. Un peu de vélo, un peu de marche. Et après, je retourne bronzer. Avoir besoin de vous et j'ai vraiment besoin de personnes qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Je vais vous expliquer mon problème. En clair, je dois absolument commander une robe. Là, on est dimanche. Il me la faut pour samedi prochain. Donc, je crois que sur le site, il y a des livraisons en 2-3 jours. Donc, il faut vraiment que je passe la commande pour l'avoir samedi, quoi qu'il arrive. Le problème, je vous explique. Ces tailles sont très bizarres. Quand je vous dis elles sont très bizarres, c'est qu'elles sont très bizarres. Donc, j'ai le choix entre la taille S et la taille M. Moi, c'est vrai que j'ai une forte poitrine et comme là, c'est un corset, j'hésite. Je ne sais pas s'il faut que je parte sur du S ou du M. Donc, ils nous disent pour le guide des tailles, les mensurations. Donc, je vais les faire avec vous. Et vous allez me dire sur quoi je pars, sachant que le S équivaut à un 36-38 et que le M équivaut à un 38-40. Mais c'est très, très trompeur. Moi, j'ai déjà commandé des robes avec eux et en général, je prends du M. Mais il m'est arrivé beaucoup de porter aussi des robes en S. Donc, ça dépend vraiment les modèles et ça dépend de la coupe. Donc, je vous montre la robe et je vous montre les tailles. Vous me dites, en prenant mes mesures avec vous, ce qu'il faut que je prenne. Please, j'ai vraiment besoin de vous. Et s'il y a des couturières, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc, je vous explique. Ils nous disent de prendre la taille. Donc, j'ai vu sur une vidéo qui disait que la taille, il faut le prendre au plus creux de votre ventre. Donc, qui est celui-ci. Et là, on va mesurer. Donc, la taille au plus creux de mon ventre, on tombe entre 71 et 72. Mais 72, mais un peu serré. Donc, on va dire un peu plus. Hein, pour que je sois un peu plus à l'aise. Donc, on va dire je suis, ouais, entre 71 et 73 au niveau de la taille. Notez bien, 71, 73 au niveau de la taille. Ensuite, au niveau des hanches, j'ai regardé une vidéo, pareil, ils me disent qu'il faut aller au plus bombé des fesses pour mesurer. Donc, hop, on se met là. Et là, je vais vous dire à combien je suis. Je suis à 98. À ce niveau-là, 98. Et ensuite, là, c'est là où ça devient de plus en plus compliqué. C'est qu'il me demande de prendre mon buste. Le problème, c'est que je ne trouve aucune vidéo. En fait, il y a le buste haut ou le buste bas. Mais il n'y a pas le buste entier. Donc, du coup,
Les chiffres ne correspondent pas aux mensurations qui m'indiquent. Donc, comment on prend le buste? Moi, je vais essayer de faire comme ça et de faire comme ça. Et quand je fais comme ça, les filles, on va dire là, hop, je tombe à 46, ce qui n'est pas normal puisque dans les mensurations, ce n'est pas ce qu'ils nous disent. Donc, après, j'essaye de prendre comme ça et comme ça. Et là, je tombe à 56, ce qui n'est toujours pas pareil. Donc, c'est quoi le buste? Vous m'avez dit, j'ai reçu quelques commentaires qui m'ont dit que du coup c'était la poitrine. Alors on va la faire, mais bon, le truc c'est que comme moi j'ai une forte poitrine, je pense que du coup ça sera du M, les filles. Attendez, j'essaye. Ah ouais, peut-être que c'est ça en fait. Peut-être que vous avez raison, ça correspond plus aux détails. Alors là, on est à approximatif, on va dire entre 90-91. Est-ce que c'est ça, alors, du coup, la tour du buste? Du coup, les filles, j'ai trop besoin de vous. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont trop bizarres, ces tailles. Parce que le S, en fait, ce qui m'induit en erreur, c'est que le S est l'équivalent d'un 36-38. Et que le S, c'est un 38-40. Donc, moi, je sais que je ne m'habille pas en 38-40. Donc, du coup, est-ce que ça ne va pas être beaucoup trop grand? Et en même temps, est-ce que le S, il ne va pas être trop petit? Sachant que en plus, là, c'est un corset, donc ça va vachement ressortir ma poitrine. Est-ce que ça va rentrer dans le S? Je ne sais pas. Est-ce que je vais réussir à le fermer? Après, c'est vrai que là, les tailles que j'ai vues, en fonction de ce que je viens de prendre, bah, ça a l'air d'être ma taille. Enfin, je pense que je rentre, bah, du coup, dans les deux. Je ferai quoi à ma place? Et est-ce que je prends les deux dans la même taille ou est-ce que je prends une S, une M? Sachant que pour l'anniversaire de ma copine samedi, je veux la rouge. Qu'est-ce que vous ferez à ma place? Je pars sur le jeu M. Ah, c'est notre jeu de Marseille, vous savez. Bon, regardez, ça c'est la salle jeux, en fait, de jeux qu'il y a à l'intérieur de l'hôtel. Et pour le coup, je viens de la découvrir. C'est incroyable, regardez. En fait, là, vous avez la salle avec tous les petits trucs ici. Et là-bas, en fait, c'est la salle des ados. C'est là où, en fait, il y a les adolescents. C'est comme le Kids Club, mais en version ado. Donc, eux, ils se trouvent juste ici. Mais je savais pas, en fait, j'avais pas vu. Regardez. Et là, carrément, vous avez encore un truc de fou. Là, c'est là où il y a les ados, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, il y a comme une petite cuisine et tout. Enfin, c'est trop sympa. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, vous avez la salle de jeu qui se trouve juste là. Regardez comme c'est cool. Attention! Ouais! Oh là là, il y a encore une autre salle de jeu pour les plus grandes. Mais c'est pas incroyable. Vous avez le bowling et tout, les filles. Oh, j'adore ces jeux. Tu te rappelles en Italie, Bibi? Quand tu jouais avec Victor? Voilà, on est là où il y a les jeux. Franchement, c'est trop bien. Ça, c'est notre passion avec Rémi de faire ça. Bon, je suis contente finalement de l'avoir découvert que le dernier soir parce que je pense qu'elle m'aurait demandé tous les soirs d'être ici. Mais franchement, c'est trop sympa, les filles. Franchement, il y a trop de choses. Trouver un hôtel aussi complet, ça n'existe pas. Oui, on a plein de tickets. Regardez, ça, c'est ces tickets. En Italie, on en avait plein. C'est trop bien.